Trois étudiants de l'École Polytechnique de Bruxelles et de l'École Interfacultaire de Bio-Ingénieurs s'envolent vers le Cambodge. Objectif : construire trois séchoirs de poivre à énergie solaire. Au tout début de l'année, quand on nous a présenté le projet, on nous dit « voilà, vous allez faire des séchoirs solaires à poivre ». Et à ce moment-là, on se dit quand même « mais l'année passée, ils ont fait des trucs un peu plus rigolos, ils ont fait des drones certaines années, des voitures électrique télécommandé, et nous on fait des séchoirs solaires à poivre, on comprend pas trop. Et puis après ils nous expliquent que en fait c'est en coopération avec ici l'université technologique du Cambodge, que c'est un projet de coopération en développement et qu'à la fin de l'année 10 étudiants de première année de bachelier vont pouvoir partir au Cambodge, et à ce moment là ça nous motive déjà beaucoup plus. Cette année, et pour la première fois, la CODEPO, la cellule de coopération au développement de l'école, s'empare du projet de première année. Plus de 200 étudiants ont ainsi développé, par équipe, des prototypes de séchoirs durant l'année scolaire. Et les meilleurs ont été sélectionnés pour partir au Cambodge. On sait que nos projets sont un boost incroyable pour la motivation de nos étudiants. Et donc, on a voulu tenter cette expérience avec nos étudiants de B1, d'essayer de donner du sens dès la première, d'avoir une construction d'objets, d'avoir des vrais clients derrière finalement, l'ITC, les paysans, il y a des vrais clients. Et donc ça permet dès la première année d'avoir des éléments d'ingénierie qui font sens et qui sont vraiment dans le core business de ce que devra faire un ingénieur. The farmer in Cambodia and the small producer in Cambodia face the problem of the quality, especially hygiene qualities. À l'heure actuelle, les fermiers sèchent le poivre de façon artisanale, ce qui limite leur capacité à l'export et donc leurs revenus. L'objectif de nos ingénieurs en herbe sera donc d'élaborer trois séchoirs de poivre pour assurer un séchage homogène et améliorer la qualité du produit. Notre voyage commence à l'Institut de technologie du Cambodge, notre partenaire de longue date. C'est là que pendant 3 semaines, nous allons concevoir et construire nos séchoirs de poivre avec 7 étudiants cambodgiens spécialisés en génie alimentaire. Mais après avoir fait connaissance et s'être accordé sur les plans, les étudiants font face à un problème de taille. On voulait partir sur du bois, mais on s'est rendu compte que certains bois, ceux qu'on trouvait sur Internet avec les bonnes propriétés, n'étaient pas forcément facilement disponibles au Cambodge. Tout a été remis en question la première semaine, et c'est vrai que ça, c'était un peu difficile pour nous, je pense, parce que ça demande beaucoup plus de temps, on a dû faire des courses à répétition. Les planches, parfois, qui étaient vendues par certains vendeurs, n'étaient pas droites. Et on n'avait pas le matériel pour les raboter, donc on est parti plutôt sur des structures en métal. Face à la pénurie de bois, les étudiants doivent rebondir. Il n'y a pas une minute à perdre, car le défi est grand. Il faut repenser tous les plans et revoir les calculs. Une des premières étapes, une fois qu'on avait choisi les matériaux, c'était de savoir quelles étaient les dimensions dont on avait besoin, aller acheter ces matériaux en fonction des dimensions calculées. C'est là que la collaboration entre Belges et Cambodgiens a révélé tout son potentiel. At the beginning, my students faced the difficulty. They said that they could not catch up the idea. For the first and second day, they found that it's really hard for them. But they tried to follow. And then finally, from the third day,
They can merge together with the Belgium student. Because of them, the Belgium student can find the material in Cambodia easily. Dès le début, ça a été assez facile le contact avec les Cambodgiennes. Une des deux parle assez bien anglais, l'autre un peu moins. Mais au final, on arrive toujours à se faire comprendre. Et quand les deux Cambodgiennes sont ensemble, alors on sait que celle qui comprend mieux l'anglais permet à l'autre de tout à fait suivre la discussion. Par exemple, hier, on est allé dans un atelier de soudure en dehors de l'université. Et là, c'était vraiment une plus-value d'avoir une Cambodgienne avec nous qui a pu vraiment faire le... Je vais même pas dire l'intermédiaire du tout, parce qu'en fait, elle était vraiment un membre de l'équipe qui savait à quoi notre structure devait ressembler. Et de cette façon, elle pouvait très bien voir quand le technicien qui s'occupait de notre soudure se trompait et lui rectifier, lui expliquer en cambodgien, parce qu'il ne parlait pas anglais, ce qu'il devait faire. Après avoir découpé et assemblé les barres métalliques, les étudiants s'attaquent au rivetage des parois sur la structure. En quelques jours, des centaines de rivets sont posés. Une véritable épreuve d'endurance qui n'affecte pourtant pas le moral de nos troupes. L'ambiance générale, je pense qu'elle est très chouette parce que bon, entre MA1, B1, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence, même pas de mentalité. Enfin, vraiment, on a l'impression d'être tous potes, en fait. On essaye de manger ensemble. Le week-end passé, on a fait la visite du temple d'Udong ensemble. Si le week-end permet aux étudiants de découvrir le pays, la semaine est entièrement consacrée à la construction. Et à mesure que le projet avance, les étudiants gagnent en efficacité. Au début, on avait du mal à se décider, mais avec le temps, on a vraiment commencé à se faire confiance. On s'est rendu compte que oui, telle ou telle personne a une certaine expertise avec la construction et tout. Donc si elle le sent comme ça, on va essayer de la suivre, essayer d'ajouter un peu. Mais à la fin, on avait quand même les profs qui arrivaient à nous faire trancher. Après 3 semaines de travail intensif, les séchoirs sont fin prêts à partir pour Kep. Là, nous sommes en train de faire un petit inventaire avant d'emballer toutes les affaires pour le camion. Destination de Kep où on doit finaliser le séchoir et prendre encore un peu de vacances, bien sûr. Ce que j'ai ressenti lorsqu'on a cherché le camion pour Kep, c'était vraiment difficile à décrire parce qu'il y avait de la joie, de l'amusement de réussir à tout assembler. Et il y avait aussi vraiment beaucoup de fierté parce qu'on a pris du recul, on a regardé le séchoir, on a dit vraiment, c'est nous qui avons fait ça. Le transport jusqu'à Kep m'inquiète un peu. J'ai quand même l'impression qu'on va passer une semaine là-bas à réparer nos séchoirs. On est quand même une équipe super motivée et prête à affronter ce genre de problème, donc ça devrait aller. Le camion parti, place à la fête. Une cérémonie est prévue pour célébrer la collaboration fructueuse entre les étudiants cambodgiens et belges. L'occasion aussi pour l'équipe de l'ULB de remercier l'Institut de technologie du Cambodge pour son accueil et son soutien. Cinq heures, c'est le temps qu'il faut pour rejoindre Kep, situé sur la côte. De là, les étudiants vont pouvoir se rendre à la plantation, basée dans la province de Kampot, une région connue dans le monde entier pour la qualité exceptionnelle de son poivre. Mais avant de finaliser leur séchoir, les étudiants découvrent enfin le produit sur lequel ils ont travaillé toute l'année grâce à une petite dégustation. Tartiflette, gratin dauphinois, raclette, purée. Critères d'enfant parti, par exemple, d'ailleurs. Les poteaux qui nous entourent actuellement. Après une visite complète de la plantation, il est temps de se remettre au travail. Les étudiants retrouvent enfin leur séchoir, malheureusement en piteux état. Pendant le transport, les séchoirs se sont abîmés, donc il va falloir apporter des modifications, je crois. Ça a déjà rouillé en fait. Oui, le bardage rouille, c'est pour ça qu'on va pas en prendre. Ça rouille vite. Et nous sommes arrivés à Kep en se disant chouette, on va sécher de la mangue. Chouette, on va être en t-shirt, on va pouvoir peut-être un peu bronzer, c'est bon jamais. Et là, il s'est mis à pleuvoir, sans discontinuer, pendant
5 jours. Et pas qu'un peu, une pluie torrentielle, les chemins qui se changent en rivière. Finalement, c'était un mal pour un bien, puisque ça nous a permis de perfectionner notre séchoir. Après 3 jours de travail, l'installation des ventilateurs et l'application généreuse de peinture anti-rouille, le premier séchoir est prêt à être livré à Kampong Trak. Là-bas, les étudiants vont enfin rencontrer le fermier pour qui ils ont conçu le séchoir. Mon avis a peut-être changé sur l'aspect où on nous dit d'abord qu'on va faire ce séchoir solaire à poivre afin d'aider les gens au Cambodge, mais on ne se rend pas vraiment compte, sans avoir été au Cambodge, de dans quelles conditions ils vivent et comment ça peut vraiment les aider. Et quand on arrive ici, on se rend compte que c'est un pays qui est totalement différent du nôtre. Et c'est vraiment une confrontation à la réalité qui motive dans ce qu'on fait et dans le projet. Très vite, le séchoir prend forme. Notre hôte est visiblement très content du résultat et vient prêter main forte aux étudiants. À quelques centaines de mètres de là, l'assemblage du deuxième séchoir touche à sa fin. Mais le temps presse et les corps fatiguent. Vers la fin, il y a cette adrénaline. Il y a vraiment, on se dit, ok, il faut finir. Le séchoir ressemble déjà vraiment à quelque chose. Là, si on peut essayer de résoudre tous les petits problèmes techniques, genre les fuites qu'on a remarquées vraiment pas la dernière minute. C'est que la saison des pluies a bel et bien démarré. Et il faut s'assurer que les séchoirs tiennent jusqu'à la prochaine récolte, prévue en décembre, lors de la saison sèche. Yeah. Le troisième séchoir est quant à lui resté à la plantation, où l'on travaille encore à l'isolation des modules. Jusqu'à la dernière minute, les étudiants belges et cambodgiens se serreront les coudes pour finaliser les séchoirs à temps. Ce que j'aime vraiment avec l'esprit de la CODEPO, c'est se dire « Ok, on veut avancer, mais il ne faut pas laisser les autres derrière. » Au fil des projets, la CODEPO a en effet développé une véritable expertise dans le séchage des aliments dans les pays du Sud. Il s'agissait donc aussi d'un transfert de connaissances. In the future, we will take this idea to duplicate or triplicate the solar dryer to construct to for the other farmers. We try to make like a technology transfer between university to the communities to help them to produce a product with high quality. Safety and lower price that they could compete with the imported product and they can do the export. La fin du voyage a déjà sonné. Toute l'équipe se retrouve une dernière fois au Bécolab pour fêter la fin et le succès de la mission. Un moment extrêmement émouvant pour les étudiants et l'équipe pédagogique. On n'a pas arrêté hier de se faire des câlins, des tonnes de câlins, de bisous et se dire vraiment la prochaine fois quoi. C'est vraiment très difficile. On peut tous être fiers du travail accompli et on peut aussi tous déborder de gratitude pour les gens qui nous ont accueillis, qui nous ont soutenus, parce que sans eux ça aurait été clairement pas possible. Cette fois c'est sûr. Il faut dire au revoir au Cambodge, un pays qui les a fait grandir, qui les a fait mûrir et qui en a fait de meilleurs ingénieurs. Hands up, hands up, hands up. Na 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 na.